Oui, en effet, le début juillet a été maussade, notamment sur les régions du Nord. Et bien là, retour de bonnes conditions météo anticycloniques. Et du côté de hier, et bien le beau temps sera bel et bien au rendez-vous avec du soleil et de la chaleur qui reste modérée. Mais en tout cas, c'est l'amélioration. Grâce à qui? Et bien grâce au retour de l'anticyclone des Açores. Alors ce matin, pas grand-chose à signaler. Un temps lumineux, mais toujours quatre départements placés sous surveillance, notamment les Ardennes ou encore la Loire, où certains cours d'eau continuent de déborder. Vous le savez, on a eu beaucoup d'eau ces derniers jours, et bien certains cours d'eau vont déborder une nouvelle fois aujourd'hui, même si ce sera tout de même l'amélioration. Donc ce matin, un temps relativement calme, relativement lumineux, un petit peu de brouillard en allant vers le sud-ouest, rien de bien méchant, un petit peu de vent du côté de la basse vallée du Rhône, et dans l'après-midi, et bien des conditions météo estivales au nord comme au sud. Regardez, du soleil partout, peut-être quelques orages en montagne bien localisés sur les Alpes du Sud. Côté température, et bien c'est déjà très doux ce matin, 18 degrés à Paris, 17 degrés pour le Pays Basque, 24 degrés à Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures vont s'envoler, enfin des températures conformes au normal de saison. 30 degrés à Paris, 28 degrés pour le Pays Basque, vous aurez 29 degrés à Lyon, 29 degrés à Nice et localement jusqu'à 34 degrés attendus du côté de Perpignan. Température qui remonte donc aujourd'hui. Pour le milieu de la semaine, un pic de chaleur est attendu. Oui, en effet, on va surveiller ça puisque les journées de mardi et de mercredi seront deux très belles journées. Puis à partir de mercredi, jeudi, pic de chaleur attendu au nord comme au sud avec des températures qui vont s'envoler. On pourrait d'ailleurs dans le sud avoir des pointes à 36-37 degrés entre le sud-ouest et la région PACA. Mais une très belle semaine estivale en perspective.